Installez-vous, bienvenue dans le monde de Yas. Aujourd'hui, une petite recette, les recettes de papa. Je dirais même deux recettes. Voilà, en gros, je vous explique vite fait. J'ai voulu faire un couscous pour mes filles, et sauf que je me suis trompé de semoule. Mais que nenni, j'ai pas lâché l'affaire. À la place de faire des crêpes mille trous, j'ai fait deux galettes. Alors, galette pain, galette plus sec, vous allez voir. Matelot et le Kessla. Voilà, c'est deux galettes différentes, très sympathiques. Donc, je vous laisse découvrir ces belles galettes. Voilà, c'est très simple à faire. Et donc à ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous mettez de la farine, et alors, environ 500 grammes, et de la levure. Soit avec votre semoule, vous la mettez au four ou à la poêle, je dirais, et ça va faire une galette de plate. Nous, ce qu'on va faire, on va faire les deux. Alors, on va faire les deux. Donc voilà, là je vous fais voir les petits trucs que j'avais, des espèces de gombos que j'ai sortis. Voilà. Donc c'est la galette de l'improvisation de la vie. Bref, donc on va voir la suite. Je vais couper une part, ça va partir en pain, et l'autre ça va partir en galette. Voilà. Et voilà le résultat. Donc on a une galette assez sympathique. Oui, voilà. Donc on verra le résultat pour l'autre partie de la semoule que je laissais reposer, que j'ai mélangé avec la farine. J'ai mis 150 plutôt que 250 et j'ai mis de la levure aussi. Donc voilà, première partie, la galette. Donc, et voilà à quoi à quoi ça ressemble. Hein. À quoi ça ressemble après quelques heures de repos. Donc, la petite particularité, c'est que j'ai mélangé avec la farine après. Oui, la semoule a déjà eu le temps de se lier avec l'eau. Donc là, j'ai rajouté la farine et la levure après. D'accord, donc on verra ce que ça donne. Hein. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Écoutez, on va faire cuire ça. On va mettre ça dans la petite poêle ici. Voilà, je vais la faire chauffer. Je vais la faire chauffer. On va voir ce que ça va donner. À tout de suite. Hop là, pardon. Alors, j'en ai assez pour faire deux. J'en ai assez pour faire deux. Elle sent bon. Hein. Elle sent bon. On va voir ce que ça va donner. Hein. Écoutez, hein. Je vais l'aplatir dans la main et je vais la mettre sur le feu. Alors j'ai décidé de le couvrir. J'ai décidé de le couvrir parce que c'est bien. C'est bien. Alors tout de suite, c'est. Je l'ai à peine couvert. C'est remonté tout de suite. La pâte, elle est montée. Donc voilà. Donc normalement, c'est vrai que le. Pas algérien, quand tu le fais. Avec un plat spécifique, d'accord. Il est recouvert au rond, bah donc c'est tu fais ça dans un plat en terre cuite, hein. Et voilà, bon là, je fais à la poêle, j'ai pas huilé puisque j'ai huilé tout à l'heure pour la première galette, on va dire. Alors, on va voir ce que ça donne. Écoutez, on va voir tout simplement. Écoutez, on navigue à vue. J'ai baissé le gaz et je l'ai retourné. Pour l'instant, ça donne ça. Oui, ça fait un petit cœur, on dirait. Bon, bref, voilà, on verra la suite. Ça donne ça. C'est pas grave, ça arrive. Et donc, là, on va retourner ici. Voilà. Et du coup, voilà, ce cœur de pain, ça donne ça. Alors, c'est vrai que je suis pas fan de sel. Il y a suffisamment de sel et de sucre caché dans la vie. Il n'y a pas mis beaucoup de sel, mais voilà là, ce que ça donne au final. Ce que ça donne au final. Voilà. Voilà, il y a l'autre qui est en train de cuire. Tout doucement, vous entendez plus. On voit. Oui, bah, j'ai fait des crêpes il n'y a pas longtemps et là je suis en train de. Je fais des crêpes hier. Des crêpes hier et ça c'est la galette, ça donnait ça. Je fais des crêpes hier et là je suis en train de préparer un coulis de chocolat qui est beaucoup plus sain
que le nuitée crotte. Voilà. Une nuitée caca. Hein. Bon, voilà. Et à midi, j'ai fait un couscous aussi. Donc, en fait, voilà, c'est ça l'histoire. Mais je vous allez la raconter. Je vous la raconte. Je vous la raconte dès le début. Ce sera plus simple. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, voilà. C'était la recette. C'était Papa Cuisine.